l'histoire d'un homme qui, depuis 1959, remet obstinément en question l'idée même que nous nous faisons de la couleur. Ce qui caractérise cette peinture, c'est son pouvoir de métamorphose. Là où l'impressionniste Claude Monet peignait jadis plusieurs toiles d'une même cathédrale pour rendre la réalité changeante de la lumière, Grosdiès ne propose qu'une surface, mais si sensible aux rayons lumineux qu'à chaque variation de l'intensité électrique ou solaire, c'est une œuvre nouvelle qui paraît, imprévisible comme la vie même, mouvante et diverse comme elle. 1000 tableaux se proposent ici sur la surface d'un seul. Quand on examine un Grosdiès, on constate que le fond en est régulièrement tapissé de petites surfaces de couleur vive ou sombre qui se confondent dans l'œil du spectateur pour peu que celui-ci prenne quelques pas de recul. Séparés sur la surface de l'œuvre, tel rouge, tel blanc, tel vert se mélangent ensuite dans notre regard inextricablement. Que se passe-t-il quand un rayon lumineux vient frapper une surface peinte en rouge dans une physichromie de Grosdiès? Observons cette mutation en gros plan. Examinons-la à l'échelle d'un seul des multiples canaux qui composent chacun de ces tableaux. La lumière bute sur le fond rouge, rebondit et s'en va se projeter par ricochet sur la surface avoisinante qu'elle colore de la même teinte rouge adoucie. Un jour, Grosdiès, en ouvrant un livre dont une page était verte et l'autre blanche, s'aperçut que la surface de la page blanche se colorait et subissait l'influence de la page verte. De là naquit sa théorie de la couleur reflet. Désormais, la couleur n'allait plus être pour lui un pigment posé sur une surface, mais avant tout la projection de ce pigment dans l'espace, grâce à l'action portante de la lumière. La couleur s'évadait dans la troisième dimension. Pour filtrer la lumière ambiante venue de l'extérieur, Grosdiès dispose de tout un jeu de lamelles perpendiculaires au tableau. Tantôt opaques pour refléter la couleur, tantôt translucides, tantôt comme ici transparentes, elles interprètent les rayons lumineux et contribuent à créer ce velours visuel constamment changeant qui caractérise son œuvre selon que la lumière bouge ou que le spectateur se déplace. C'est au dosage subtil de ces différentes méthodes que Grosdiès doit la surprenante richesse de sa palette. Il peut se targuer d'avoir dans l'espace une gamme autrement plus riche que celle des peintres qui travaillent sur le plan. Il dit « La couleur posée sur un objet, c'est mort. Projetée dans l'espace, c'est riche, c'est varié, ça vibre. Quand je compare une transparence couleur et la reproduction qu'on en tire sur papier, je préfère de beaucoup cette transparence. Traversée par la lumière, les couleurs y sont bien plus vivantes. »
voici un demi-siècle, Kandinsky rêva de peindre un tableau sur une surface idéale qui apparaîtrait en avant de la toile elle-même et qui flotterait dans l'air. Ce rêve de Kandinsky, Krauss-Diez l'a mené à bien dans ses physiques romies.